Donc, on a dit. I get my money back. Thank you very much. Thank you very much. Marie, la famille de Yoel Cohen, Yoel Cohen. Ouais. On connaît la Perkei Avot. On essaie de comprendre. C'est vrai que ça, j'ai pas écrit Perkei Avot ici. Ouais. Amen. Amen. Donc, on s'est arrêté où? On veut voir la différence entre le tzaddik et le chassid. Tzaddik et le chassid. Ce qu'on a vu, Elior, regarde. On a vu que le tzaddik, c'est quelqu'un qui vivre encore les combats contre ce Yetzirara. Il gagne, il perd. Il gagne, il perd. Mais il se bat. Il ne se lâche pas. Il se travaille au niveau des midot. Surtout, il fait la Torah. Il se lève, il prie, il met les tefillin, il met les tzitzit, il fait tout. Le chassid, il n'y a plus de combat. On l'avait fait. Il y a un chassid après un chassid également. Voilà. Donc, tu vois qu'on a fait, tu te rappelles? Que j'étais là ou pas? Ah, peut-être c'était ton double. Donc on a fait. Maintenant, continue, on est à la page. Youtret, on va voir. Il fait Vechen. Qu'est-ce qu'il dit le Perkei Avot? Namour avot et Ravivraha. Et il m'a aéné. Et va aéné, mais ou chassida alika ima amile. De difkei avot. Ve'em zachrou kinyan midot atovot. Il fait, il n'y a pas un livre aussi bien et aussi important que le Perkei Avot pour savoir à quel point c'est important que d'acquérir les midot atovot. Et il dit, comme je suis amoureux de la racha, Rabbi Omer, Ezehu derer Yeshara. Rabbi, il dit quoi? C'est quoi le droit chemin? Akavia ben Mer Alalel, Omer, il dit, Istakel Bishlosh Devarim. Il dit, regarde trois choses et tu auras le lamaba. Bechen, Rabbi Levitas, Ish Yavne, Omer, Meod Meodevi, Echafel Roi, fais sois très très humble. En fait, tous les Perkei Avot, ils te parlent plus des midot que de faire des mitzvot. Des midot, 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 midot. Et c'est ton bien. Mishnah que t'apprends quand t'es enfant. Il dit, mais c'est où ma, je n'ai qu'à venir à qui, à Kavya, et au maire, à y ata'a, et l'idée à Vera. Et son nom, Omar, l'idée, et tirara, à Gorem Lecha, à Vera. Donc il dit, à Kavya, mais Ben Merlel, il donne une nuance. Il dit, c'est quoi un homme qui faute? Est-ce que c'est un homme qui a envie de fauter ou est-ce que c'est un Yetzerara qui te vient, qui te donne envie de fauter? Tu viens de celui-ci. Mais après, ça devient automatique. Quoi. Il prend l'habitude. Après, il croit qu'il la verra si ce n'est pas une avéra. Il va un peu plus loin, mais moi, je vais compliquer la question. Ta question n'a pas de sens. Ça a un sens, mais je veux faire comme ça, n'a pas de sens. Il dit, c'est pas toi qui faut, c'est les Tzara qui faut. D'accord? Ouais. Et la soirée, c'est Tzara. Ça? Adam Bilian. C'est voilà, tu vois, c'est ça que je tac au tac. Pas les Tzara, Adam Bilian, il est où? Dans le Nefesh Shekhli. Nefesh Shekhli, je vous permets. Tu vois? Donc, il est où, les Tzara? Nefesh Sirli, Adam Bilia. C'est toi ou c'est pas toi? Si c'est nous. Bien sûr, c'est Nechama. Alors, c'est toi qui faute, c'est lui qui t'amène la faute. C'est toi? Ah, tu es donc t'es contre Akavia, mais à elle. C'est Cholek Oto? C'est lui qui faute.
Toi, tu dis Pirkei Avot, vous vous trompez, c'est moi qui ai raison. Non, non, c'est moi qui ai raison. Alors, comment t'expliques alors? T'es dans la vie. L'effet Shekhli. Non, parce qu'en fait, c'est son effet Shekhli, mais ça veut dire que, comme maintenant, on a vu que tout son effet Shekhli était du côté Ra, donc ça veut dire que c'est lui qui faute, parce que c'est lui qui s'est salé. Oui. Parce que sinon, il aurait été du autre côté, il aurait été du top, et c'était il a fait comme on l'avait dit. T'as raison. Ouais, il a raison aussi, il a raison aussi. La première faute, c'est pas toi, c'est qui? Ah, alors maintenant, redis-moi la question. Donc, si tu as envie de fauter, c'est parce que tu as ton Adam Bilial qui est ici. Mais qui a fait rentrer Adam Bilial en toi? C'est Adam Arishon. Donc, c'est toi qui faute, c'est à cause d'Adam Arishon que tu fautes. Mais c'est toi qui... Non, c'est toi qui faute aussi. T'étais où? Mais en fait, là, j'étais dans l'île. T'étais où? J'étais dans l'île. Ah, donc t'as fauté aussi? Ouais, ouais. Ah non, t'as rien fait, t'étais dans l'île. Mais lui, c'est nous, en fait. Non. Mais t'as fauté quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des paris, il y a des tirs qui sont partis. Pourquoi t'es pas parti? Non, mais j'étais pas assez fort. De mes chameaux. Il y en a qui ont pris la faute. J'étais pas assez fort pour remonter. Et là, je suis descendu. C'est pas assez fort. T'as dit, je reste. La faute, elle a l'air bonne. J'attends un peu voir ce qui va se passer. Bien sûr. Ah ouais. Ah, c'est pour ça que je suis resté alors. On t'achève. C'est ça le truc. En fait, ils ont choisi alors, ça veut dire. Bien sûr. Si on a une partie qui est partie, ça y est, t'as les deux catégories. T'as montré qu'il y avait deux chemins qui avaient la... Il n'y avait pas trois parties. Une qui est montée, une qui est restée, une qui est descendue. Ouais, ouais, mais c'est qui les meilleurs? C'est les grands deux qui sont... Ceux qui tombent et qui remontent. Ouais, c'est nous. Donc c'est là en fait que tu comprends ce qu'il y a quand même. Il dit, c'est toi, c'est pas toi qui va fauter, mais il te dit dans le Maasé. Il rentre pas dans l'origine de Adam Arishon ici. Dans l'origine, il va dire non, t'étais dedans, t'as dit c'est pas parti. Mais il peut trouver un cas de non, je sais de quoi je parle, je sais que c'est pas de ta faute parce que même si comme tu as dit, tu voulais partir, tu n'avais pas la porte de partir. Et qu'il y a une prière de Dakosh Borou qui a fait que tu n'es pas parti. Donc comprenez une chose. L'origine de la faute dans l'homme, ce n'est pas toi qui faute. Ce n'est pas toi qui ouvre la porte et dit non, c'est parce que tu es le départ de Adam Bilial. Mmh. On a un nom. Mais après, c'est notre faute. À partir du moment où tu l'as. Il ne faut pas faire trois fois la faute. Il faut que à chaque fois tu te dis je veux me réparer, je veux le changer. Mmh. Quand tu commences à faire ça, oui, là, il y a une bataille. Ça dit qu'on t'appelle. Mmh. Mais dès que tu ne veux plus lutter... Dès que tu fais you, je veux dire que lui, c'est un rachat. Je prends encore un peu le texte, après, je vous fais mal à la tête. Il dit... Qui est Tirara Atmo, il battait Mimcha. Qui ima et Tirara A, Kayem Mouné Atmo, Begoura, Shiloro, Lavo. Il dit non, à Kavia, Ben Mehalalel, qui était un Gilgul de Yaakov, un Gilgul de Rabbi Akiva, c'est pour ça que tu allais aussi à Kavia. Il dit non, je te dirai un autre sourire, tu n'as pas compris. Il dit le Yetzerara, en fait, c'est lui qui décide de te faire fauter ou pas, tu n'as pas le choix. On ne voit pas des choses, en fait, dans les Gilgul. Hein? On ne voit pas des choses après. Même un Gilgul, il fait, quand la faute elle est là, tu n'as aucune. T'as aucune liberté. C'est le Yetzara qui te dit, tu vas fauter moi. Parce qu'il est dedans. Et fait pourquoi? Et donc, ça veut dire quoi? C'est quoi l'intérêt maintenant? C'est de faire en sorte qu'il n'ait plus envie de te faire fauter. C'est ce qu'il dit, le Yetzara Atzmo, lui-même, Yid Batem Mimcha, il va dire, c'est quoi que je laisse? Pourquoi? Parce que, comment, ça c'est autre chose. Mais pourquoi? Parce que tu ne peux pas, toi, décider d'arrêter de fauter. Le bouton on-off de la faute, c'est lui qui l'a. Il veut voir jusqu'où tu vas aller. Il va voir jusqu'où tu vas aller. Et toi, tu dois te dire, mon but, ce n'est pas de livrer une bataille contre lui, parce que la faute, un juif, il n'a pas la force de fauster. La faute, elle vient de lui. Donc, si tu n'as pas la force de fauter, tu n'as pas la force de lutter contre la faute. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Faire ami-ami avec lui. Et en plus, j'avais dit, laisse-moi tranquille. Ok, je laisse tranquille, mais pas les TF, va pas la bête. Non, je vais pas faire les mises tranquilles. Non, tu fais des business. Tu fais, ok, écoute, on va pas faire ceci, on fera celle-là. C'est ça. Plus tu te rends la bouche, plus tu te laisses un petit peu tranquille. Mais là, c'est un autre défi.
il veut que tu sois dans la kedusha et qu'il te laisse tranquille. Il faut se mettre, on a pas dit que tu peux pas le rendre bien, lui. Hein, tu peux pas le rendre bien, lui. Tu peux, tu sais, rien d'être intelligent, mais tu dois le rendre pour le rendre intelligent, pour le rendre bien. Si rien d'être intelligent, j'ai fait des tests et tout. J'essaie de voir un peu plus tes cadeaux, plus il te laisse tranquille. Plus tes cadeaux, plus il te laisse. C'est un premier niveau. Après, il va le faire tomber. Regarde, Rabbi, on a lu l'histoire de Béni Shrek. Rabbi, celui qui s'est rendu aveugle. C'est le premier. Lui, il est un néo d'Okdoucha. Dieu, il dit, laisse tomber, t'arriveras pas. Il dit, laisse-moi essayer. Il a envoyé un mélange de Kim Kardashian, je sais pas quoi. Il a dit, rends dans la bête. Mais en vrai. Il a vu, il a dit, ah, c'est fini, j'ai compris. Il a commencé à tourner la tête. Comme ça. Elle est venue là. Il a fait un élève. Il a fait comme ça. Elle est venue là. Elle est tombée. Qu'est-ce que tu as vu ? Tu es plus gâteuse que lui ? Non, Dieu, pour que Dieu il signe sur toi. C'est quoi lui ? Vas-y. Tu vas rien faire. Je connais. Après lui, etc., il a pleuré. Il a pleuré. C'est quoi ce monsieur là ? C'est quoi ce monsieur là ? Qu'est-ce qu'il est en train. C'est quoi ce monsieur? Et il dit, ah, comme c'est comme ça, il va voir, on dit, il fait, tu sais quoi, j'ai vu ce que tu disais, t'as raison. Rends-lui la vue. Il va et il dit, regarde, t'as vu, c'est bon. Je ne veux pas reprendre la vue. Il est encore plus fou. Après, Dieu dit, non, dis-lui que je garantis qu'il n'y aura plus rien qui fera sauter. Alors, comment faire mieux avec lui? Parce que c'est les yeux. Mais tu vois qu'à un moment, c'est comme il dit, il faut être intelligent. Et c'est quoi l'intelligence? C'est pas de dire, non, moi, je sais, plus tes cadeaux, je suis moi, ta cause. Ah, lui, il a eu l'été. Il a eu le test le plus basique, une femme attirante. C'est-à-dire, c'est chaud comme test, ça? Fais-moi un test de tu ton fils, ça déjà. C'est des tests, tu dis, voilà, c'est chaud. Là, un truc simple, une femme qui passe. Et t'es plus haut, c'est pas un truc de folie. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme, elle est passée, c'est pas le problème. C'est, pas ça, c'est comme il a Adam Bilial dedans, parce qu'il y a un faute d'Adam Arishon est dans tout le monde. Il a activé un chauffage ici, là. Et il a dit, ça c'est chaud, parce que je sens que je suis attiré. Alors que je n'ai même pas regardé, il dit le texte, il ne regardait pas. Mais il sentait que sa tête voulait tourner, il sentait, ah, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la personne, il appuie sur on ici. Il a vraiment de. C'est ça qu'il dit, c'est quand même Méhanel. Après, il y avait quand même Klal Olé, qui ouvre ta règle mitzvot, a dit, hey, yot, 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 Adam. Il fait faire les mitzvot. Alors que Yitzharel en toi, ou Mitgaber, Alav, Mikra, Tzadik. C'est-à-dire que tu commences, tu dis, je fais les mitzvot, et je ne veux pas de lui, je me bats, et je bats, il me tape, et je tape. T'es un Tzadik. Là, on est tous des tzadikim. C'est ça qu'il veut de nous, Mamlechet Kohani. Il n'y a pas un tzadikim, vous êtes déjà tzadikim, c'est bon, j'ai compris. Vous ne voulez pas fouter, mais je suis fort que vous. Mais je vous amène à un stade dessus. Après, il dit le Kshikayem a dit Bitula et Tara, Shei, Sese, Yoter, Kinyal, Midada, Tovota, Beteva, Gamour. Il est Zenikra, Chachit Gamour. Chachit Gamour, c'est quoi? C'est quand tu amènes les Midada, Tovota dans ta nature. Et ça, qu'est-ce qui t'aide à faire ça? Pire qu'est Avot. Votre préambule. C'est pire que ça. Car le venir de tu connais le, tu connais la Kiryat Ramban? Ouais. Ramban. Tu le connais? Tu vas Béni Moussa, toi? Je suis Béni Moussa. Faut le lire, celui-là. Tout ce qui est ici, le lit là-bas. Non, je vais te poser une question. On ne va pas être trop dans le texte, parce que c'est un peu tard, on va rentrer dans le texte. Je pose une question. Tu étais en Adam Arishon. Okay. Mais Tserara, celui qui te fait fauter. C'est toi ou c'est pas toi? Non, mais c'est pas nous. C'est lui qui t'allume si tu fautes ou pas. C'est lui qui te... D'accord, j'ai une question.
ce café là c'est bon, c'est pas moi. C'est toi, c'est pas la question. Est-ce que le café là qui est dans la tasse, c'est moi? Non, ça va devenir toi. Qu'est-ce que tu dis? Répète, je ne pose ma question. Ah oui. Sahara, c'est toi ou c'est pas toi? Oui, en fait, en toi. Avant, c'était pas toi, maintenant il est rentré dans toi et c'est toi. Mais devenez un. Parce que c'est à cause de toi qu'il rentre. Non, c'est à cause de ma question qu'il est rentré. Je l'avais plus simple. Il est rentré. C'est un passager clandestin ou c'est toi? C'est clandestin. C'est toi. C'est toi. La faute de moi. Maintenant. C'est fini. Il est en nous. C'est la moitié de nous. Alors, ce qui est faute, c'est toi aussi. C'est les deux. Il faut les deux pour fauter toi aussi. C'est ton corps, toi. C'est toi qui faute. C'est lui qui donne envie de fauter. Si tu fais Rachetati, Agati, Kazati, tu sais que le vidéo en première personne existe, non? On lui dit qui est pour. Ah, mais tu dis qu'il faut le réparer, c'est-à-dire. Ah, là, tu m'intéresses, vas-y. Ouais, tu dis qu'il faut le réparer, alors tu te répares toi ou lui maintenant? Tu dis qu'il faut le réparer et il devient ton ami. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une différence comme à l'intérieur. Désolé, Sod. J'ai vu ce matin avec Rabbi Shimon, il a un peu d'avance sur vous. Ouais. De toute façon, on va s'arrêter Shabbat. Il est tout content. Non, jamais. On a parlé de ça, que le corps était dans la tripeur, en train de se stocker, de voir. Ah, ce qu'il dit. Est-ce qu'on a pris deux qui sont quatre et qui sont deux? Ouais. On a avancé, nous, avec le Béchimon. Allez, comment on va faire, moi? Attends, j'ai bien la vidéo, je vais vous l'envoyer. J'ai enregistré le courant. Non, mais c'est pas... Si vous avez un mérite très haut, hein, vous travaillez avec moi et vous faites les cours là, je prends même pas compte. Je prends une phrase et puis tu montes là-haut déjà. Il a fait cheveux de gouffre. Bah ouais. Regarde, moi je prends des petits bruits, mais j'arrive. Reste qu'il dit. Rappelez, on le sait pas, on a un balabaït et on a un pauvre. On a l'espace public et l'espace privé. Ah, ce qu'il dit, Rabbi Chiya Bar Abba. Il dit, qu'il veut dire quoi? Il y a un patron, il y a un khayab. Ne pense pas ça. C'est Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit quoi? Il dit, Annie, donc c'est qui Annie, on l'a vu nous? C'est le pauvre, mais c'est qui? Ça représentait... Non, on a vu, c'est sur le schéma d'un autre soin, nous. C'est dit qui? Annie. Et le HH, c'est qui? Le Jbo Rou. Vous avez vu, ou bien 5 minutes qu'il va faire. Voilà ce qu'il dit. Abi Yossé, Annie, Ve Hachir, Echad. Le pauvre et le riche, et les mêmes. Ils sont un. Et d'ici, ils sont un. Il n'y a plus de patour. Il n'y a plus de Issour. Pourquoi? Parce que je suis tout seul. Il n'y a plus de réchaudrière, de rabine que je transfère, je fais ce que je veux, je vais là, je n'ai rien fait. Alors, ma question, elle est là. Et c'est là où je vais vous emmener. Le Yetzer Hara avec nous, on est 1 plus 1 ou on est 1? Non, parce que là, il y a le nid et le riche. Et si on a dit que 2 visites 2, si là maintenant tu fais la paix, ben, tu es un seul. J'ai pas entendu. Regarde, je vais expliquer. Il dit pourquoi il fait le Ani la chose à la même personne. Ils sont un. C'est Afalpi, Cher Mishnah, Moné, Melechet, Otsal et Hashir, Melechet, Otsal et Ani. Même si la Mishnah, elle parle d'une Melacha qui va se passer chez le pauvre et Melacha qui va se passer chez le riche. D'accord? Il dit Shneem Chiyuv Echad. Il fait les deux, ils ont un chiyou. Pourquoi? Share ma evdel im motse be reshuta yachid im le reshuta rabim on les fait. Il dit c'est facile. Il fait regarde. Ton père il est dans l'espace public, moi je suis dans l'espace privé. Si je fais ça,
Lui, il prend. Ouais. Tu n'as pas fait les gens. Et lui, de pas non. Pas de chrétien, mais la rade, donc pas toi. Non. Il va plus loin ici. Il dit, le Hani, il dort où? Je ne l'ai pas dit ce matin. Mais le Hani, il dort où? Non. C'est quoi pour lui, la rue? C'est juste un rabbin. C'est juste un prati. C'est juste un prati. C'est lui. Oui. Il fait tout dépendre de quel autre tu regardes. Bah oui. Il joue derrière Yachid. Il joue derrière. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il est pas tour partout, lui. C'est ça qu'il dit. Il fait. Quand tu il dit Ravi aussi, il ne peut pas vous casser la tête. Il fait fonctionner les trucs différemment. Il fait. Déjà, on commence. Il fait pour lui, il dort dehors. Il fait si dort dehors sur les Yachid. Oh, je ne fais même pas de miracle. Ce que je fais que de prati à prati. Rien plus loin. Qu'est-ce que tu as dit dans ça? Tu as dit quoi? On voit du point de vue de Hachir. C'est le rabbi. Ah, ça change rien. Le Hachir, il est dans son prati à lui. Oui, il est dans prati. Mais pour un pauvre, le rabbi, il est nikra prati. C'est pour un riche, non? Mais le riche, c'est pas le problème. Le riche, il a un geste à faire. Mais l'espace après, il a annulé. D'un côté, on a un issue. D'un côté, on n'a pas. Non! Parce que l'issour, il est caïen que si l'espace à côté de son privé, il s'appelle public. Si s'appelle aussi privé dans un angle de vue, c'est fini. Ouais, mais si dans un autre angle de vue, c'est même. Mais ça, c'est la Mishnah, ça. Ça, ouais. C'est la Mishnah, ce qu'elle dit. Mais lui, il va plus loin. Il dit non. Il fait une fois que l'autre, il considère que c'est son truc privé, c'est fini. Ouais. Il n'y a plus de problème. Ça, c'est le Hani. Et quand il fait la Shalom avec lui, donc là, tu fais plus de choses. Est presque autre chose. Pareil entre lui. Il dit, si maintenant je suis Mahnis, moi je rentre et je mets à l'intérieur. Mm-hmm. Je suis le riche. C'est la même chose dans la vie de toute façon. Ouais, on va dire, on repart dans le cadre basé. Je vais rentrer comme ça. Et lui, il pose. Non, maintenant je pose là-bas et lui il fait rentrer. Dans notre Mishnah, c'est moi, je suis rentré, j'ai déposé. Dans la Mishnah, c'est lui, il a fait rentrer, il a déposé. Ah, ce qu'il dit. Fais eux l'affaire. Mais Chosot, ou maintenant, Otam, Chachamim, Shnaim, qui, Otsaa, I, les Melacha, Groa, Velachen, Mane, Kolecha, Nipne, Atzma, Vechen, Achnasa, Veotsa, Achal. Il fait faire rentrer, faire sortir, c'est la même chose. D'accord ou pas? Ça dépend de qui? Bah, si je fais rentrer, c'est pour lui, j'ai fait quoi? J'ai fait. Ouais, pour lui, j'ai fait rentrer ma main, et moi, j'ai fait sortir. Voilà. Et lui, pour lui, ça s'appelle faire rentrer. Ouais. Et lui, quand il fait rentrer, ouais, moi, ça s'appelle faire rentrer, ça s'appelle faire sortir. Et comme si deux shoots à Yachid, il n'y a plus de problème. Ouais! Je vois la tête, hein? C'est comme si c'était un seul œuvre. C'est ça. C'est quoi le secret? Il y a plus de différence. Voilà. La difficulté pour arranger un peu ta force, tu avais raison, Jérémy. Il faut faire un. Mais c'est ce qui est le plus dur. Réussir à faire un avec lui. C'est ça. T'auras du Aleph, pas du bête. Pas bête. Mais t'auras ta Aleph. Une fois que t'auras ta Aleph, qu'est-ce que tu dis, Rabbi Akiva? Là-bas, arrête. Dis pas droite, gauche, ta même. Dis pas. Il n'y a pas ça. Tu dis ça, tu deviens fou. Alors, dans la Torah du Aleph, c'est Shabbat tous les jours. Merci. On avait soit un. C'est ça? Oui! Shabbat tous les jours. Il y a un petit boulot Shabbat. Il y aura le soleil là, lui. Même taille. Voilà. Wow. J'ai un truc de malade. Comment tu fais avec le Tzara? Faut pas te dire. Faut pas. C'est tant que tu es dans 1-1, c'est dans le combat. Il faut te dire qu'est-ce que j'ai à faire pour que lui et moi, on devienne un. Et qu'en fait, ça soit comme dit Rabbi Yossé. Tu dis, quand tu as dit Hachem pour Rabbi Yossé, bah, ça Shabbat, tu l'as lu. Que le Hani et le Hachir, ils sont un. Ah, que la Yetia et la Nechras, ils n'écrasent une. Tu as lu le Yetzirara. Merci. Ah, c'est-à-dire que tu fais un. Ça veut dire qu'il y a plus de mélange. Oh, c'est un truc de fou. Quand on a un boisson, on l'allumine. Parce qu'on met la main dehors, en fait. Parce qu'on met la main dehors, et lui, il prend, et lui, il fait rentrer. Comme ça s'appelle... C'est un échange. Un échange. Mais c'est quoi l'échange? C'est plus haut qu'un échange. C'est quoi l'échange? Mais là, concret. On va redescendre sur ça. C'est quoi l'échange concret?
Comment je fais ? Lui, il veut nous faire fauter. Donc, il est intelligent, il va trouver des techniques. Nous aussi, on doit faire. C'est quoi la technique ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Tu essaies de trouver des techniques. Je sais pas, par exemple, tu sais que tu vas marcher dans une rue où il y a plein de filles qui sont pas. T'es avec lui, là. Tu regardes le sol. Par exemple, tu regardes le sol, mais c'est toujours. C'est... Tu répares une meuf, c'est la lutte. Ça, c'est la lutte. Ça c'est clair de. Tu répares une meuf quand tu la regardes. Ça reste une lutte. Si tu la répares, pour reste du parc, elle va se sauter. Tu peux la voir, c'est pas interdit pour toi parce que tu la répares. Il faut l'utiliser à son propre compte. Ah, là, j'aime le début. Mais du coup, il faut l'utiliser l'aide, ça va, contre soi-même. Alors, comment tu fais ? Je vais donner un exemple bête, puisque je n'ai pas vraiment compris. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais un problème, je comptais les juifs pour faire le mondial. C'est un saut de raïta. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est un saut de raïta. Prendre un bateau, sortir, le sablier, avec trois chixas, du whisky, du vin, pas caché, ça c'est de la banane. Je vais faire, si je ne vais pas faire, je vais faire sept de raïta, que je ne tire aucun plaisir, mais je vais traverser de la banane, non, c'est pas logique. Et ça, c'est utilisé, il est vraiment dans sa propre contre lui. C'est-à-dire, il essaie de penser logiquement entre deux actions qu'il fait selon la racine de la Torah. Et ce qu'il fait, c'est très haut, parce que c'est un Kohen. Donc, il faut faire, c'est. C'est quoi ? Quand il te sert, il dit viens, fais ça et ça, toi, tu dis oui, et d'un coup, tu fais tout le contraire de ce qu'il t'a dit. Ça reste un combat. Alors tu dis viens faire avec moi le bien et ça c'est quand tu es un avec lui. Ouais. C'est quoi la technique les gars? Ouais. Vous voulez le secret? Il faut toujours comprendre d'où vient le tafki, d'où la responsabilité, le travail de quelqu'un. Le Tzara est là pourquoi? Pour faire avancer. Ah ouais, ça c'est joli ça. Concrètement il est là pourquoi? Parce qu'il ne te croit pas. Il ne croit pas que tu aimes Dieu. Il sait que tu es un menteur. Il sait que tu es un menteur. Il sait que tu es un gros bluffeur et que tu fais genre t'es un tzadik. Il fait à l'épreuve alors. Oui, mais ça, mais comprendre, c'est quoi ton adversaire? Tu fais un avec lui. Lui, c'est ça. Lui, toute sa discussion avec Dieu, c'est laisse-moi te montrer que c'est un faux lui. Ah, d'accord. Alors quand tu vois que tu aimes tellement Dieu, lui, il va te couler avec toi. Que tu es vrai. Ah, vrai, hein. Que tu es vrai. C'est-à-dire quoi? Tu es vrai dans les Maasim Tovim, et je veux que vous vous rendez fou, même dans les Maasim Raïm. Faut t'énerver. Non, pas t'énervement, mais que c'est vrai ce que tu fais. C'est comme mon exemple, David Améner. David Améner, il prend une femme mariée, le prophète de la génération, il le découvre. Il a tellement honte, il court, il dit « Je veux mourir », il touche, marche, rien ne se passe. Parce qu'à un moment, il est vrai. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut fauter. Ne commencez pas à aller faire des interprétations. Je suis en train de dire quoi? Il faut être un ish emet. C'est quoi emet? Ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici, c'est la même chose. Ce qu'il y a ici et ce qu'il y a dans les actions, c'est la même chose. Le Tzara, il dit, eux tous là, c'est des bluffeurs, c'est des menteurs, ils ne t'aiment pas comme moi je t'aime. Ça veut dire si tu aimes de plus que le Tzara, il vient à ton copain. Pourquoi il n'est pas avec toi? Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de toi, celui qui aime vraiment Dieu, ce n'est pas toi, c'est lui. Il est trop bien en fait. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui est marmier? Il est trop bien. Non, tu deviens émette. C'est comme si tu as un prof qui est hyper rigoureux. 5 minutes en retard, tu ne te prends pas en cours. C'est comme on avait parlé, c'est de là-haut. T'es trop dur. Qu'est-ce que tu fais? Sois vrai. Quand ça dire non, mais j'ai raté plus que lui, il a aimé ce prof-là, ils sont. Il sait que tu t'es pas réveillé. Non, il y avait les contrôleurs. Non, dis. J'arrive pas à me lever. Pourtant, j'ai couru, regarde comment je transpire. Tu vois, je transpire. Vas-y, rentre. Sois vrai. Chaque mot que tu dis, chaque phrase que tu prononces, chaque pensée que tu as, ne te mens pas à toi-même. Sois vrai.
quand tu es vrai, le Yetzirahara, il dit, lui, il est vrai. C'est ça que Dieu dit. David, là, David, allez, David, Shalom, on peut faire une liste des fautes. Faire une liste. Dieu dit quoi? Lui, le cœur qu'il a, c'est comme ça que je veux. Il est vrai. Ah, c'est ça, il est recherche, c'est un vrai. Bien sûr. Qui rotamo et met. C'est pour ça que des fois tu fais des fautes et quand tu es vrai, ben, ça marche pas. Tellement... Ouais. C'est ça le truc. La plupart des belles réussites que tu as, tu remarqueras, ça commence par une erreur. Ouais. Et pourtant, ça marche pas. Parce que c'était vrai, tu n'étais pas dans une. Tu étais dans une construction vraie. Même dans l'erreur, construction vraie. Ouais, ça, commence pas à dire non. Mais pour arriver à ça, pour toute la vie, il faut commencer des la vie. Ils ont la chance, ils le savent tôt. Ça veut dire que c'est depuis l'âge de construction, c'est ça. La conscience. C'est à partir de là que tu dois te forger. C'est ça. Ça veut dire quoi? Tu as un exemple concret? À chaque fois que tu veux un truc. Tu veux, Khan de Shalom, tu veux voler une banque. Tu dis, là. Ça a changé ma vie. Ok. T'es pas vrai là. T'es en train d'être attiré par des passions de la matérialité. Maintenant, t'es là. Si on prend l'exemple d'égoïsme, on va les élever un peu. Tu t'appelles Robin des Bois. Tu te dis, je supporte pas l'injustice. Tu fais ça, c'est injuste. Comment ça, lui, il a un milliard et il y a un milliard qui ont un pour un milliard. Tu dis, moi, je préfère me prendre une balle dans la tête, mais l'argent, là, je vais le prendre. Même quand je prends un copec et je vais leur donner à eux pour qu'ils mangent. Que ça, c'est une injustice. Là, Hachem, il te regarde. Il dit, ok, je regarde ce que tu vas faire. C'est ce qu'on a vu avec le crâne de l'aréna. Tu as vu l'histoire de la fois? Ah oui. Il a dit, je ne rentre pas chez moi, donc je n'ai pas mis le Mashiach. Il va finir mal. Mais à chaque fois qu'il va rencontrer toutes les entités les plus élevées, Rabbi Shimon, Elio Anavi, et les anges et tout ça, ils disent, non, on voit que tu es vrai. Il sait que ce que tu dis là, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut que tes actions, tes pensées, tes paroles et tes paroles soient motivées par quelque chose de vrai. Il faut qu'ils soient tous cohérents. Il aurait été pensé. Ah, c'est quoi la cohérence? C'est ton intérêt, il est. Peut-être le problème, c'est l'intelligence du Hetza. Du c'est l'intelligence subtile, comme le serpent. Voilà. Et c'est comme ça, on tricote. C'est pour ça vous pouvez... Et tu vois le monsieur qui fait ça? Tu vas ça, tu fais ça, il va dérober la banque, et tu vas derrière avec ce bas fait ça. Tu vas voir. Tu vas rien derrière. Si, par exemple, genre, toi, tu étudies et tout. Alors, tu conseilles des gens pour faire avec une fille, par exemple. Ah, non, me cacher avec eux. C'est faux. Alors. Ouais, c'est faux. C'est faux, oui. Parce que là, Etzara, il voit ça. Il voit, il dit, tous ces bluffeurs, je les connais parce que je suis à l'intérieur d'eux. Je vois comment ils pensent. Ils ne t'aiment pas. Et je te le prouve. Je te le dis, oui, tu le sais. C'est genre à quelqu'un qui ne sait pas ça, il peut se tromper tout le temps. Il se trompe tout le temps. Il faut être vrai. Demande à ton père, tu tombes sur quelqu'un de vrai, il va avoir des défauts, et tu l'aimes. Non, il est vrai. Il est vrai, tu dis, il est comme ça. Il n'est pas hypocrite. Il n'est pas menteur. Il n'est pas flatteur. Il n'est pas colérique. Il ne veut pas se mettre en colère, il ne veut pas se mettre en colère, il dit quand ça ne va pas. Et tu dis, c'est un mec vrai. Et qui est l'exemple? David. Et il est le roi. Il n'y a pas un roi qui sera ainsi, qui ne sera pas comme toi. Mais regarde ces femmes et la Chimalef. Regarde David. Il a fait une faute, il s'était éclaté. Éclaté. Yes. David, parce qu'il était trop parfait. Il a obétué le Doeg, là. Et il a dit, tu dégages, tu n'es plus roi. Quoi? Une faute, hein, David? C'est ça le secret de comment l'Itirara, il est plus Bilial, mais devient Adam. Il ne faut pas oublier, tu dis Adam Bilial. Mais dans le Adam Bilial, tu as Adam. C'est quoi Adam? C'est Adam. Il n'y a pas plus amoureux de Dieu que l'Itirara.
Et il se prend et dit, moi, les faux, je les renifle. C'est un mot, c'est ça ? Bien sûr. Alors, c'est vrai, il est rare. Parce qu'on a du mal à le comprendre. Et on a du mal à savoir qu'il est tellement fort. On essaie de lui donner une couleur et un mot qui le dénigre. Moi, c'est notre pote. Tous les anges, ils sont devant lui comme ça, ils sont apeurés. Regarde, lis l'histoire, l'histoire à la fin de la vraie arena. Et il parle à ma tête. Il fait, non, il est chaud. Je ne peux pas qu'il est chaud. Il fait chier. Moi, je peux juste t'empêcher de rentrer ici. Mais après, elle est là-bas et le fight, je ne peux pas. Ils sont peur de lui. Il est Manaramavet, l'ange de la mort. Tout le monde meurt. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'on est faux. Moshe et Aaron, non ? Ils sont morts. Ah, mais là, ils mais regarde, plus mais regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moshe n'avait plus dit ça, c'était son ami. Voilà, c'est ça, c'est il faut devenir un, mais quand tu deviens un, sois vrai. Ah. Et quand tu es vrai, c'est vrai que tu peux dire à un chef, tu te dis, quoi, tu peux me laisser rentrer dans l'Israël ? Vas-y, dis-moi ce que j'ai fait. Tu vois ? Bon, j'ai pas dit ça à Dieu, il est vrai. Il sait qu'il n'a rien fait. Et Dieu a dit, bon, en fait, c'est ça, j'ai fait un pas, tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Ok, dis-moi ça, mais ne me dis pas qu'il fait quelque chose. Vous connaissez. Il est vrai. Et ça, c'est quoi ? C'est ça que je veux arriver aujourd'hui, je vais faire par ça. Attention, les gars. Soyez des gens vrais. Quand vous êtes vrai, ça se sent dans votre limite. Quand vous parlez, les gens les reçoivent. Ça se sent dans votre fila, quand vous priez les gens, ils se connaissent. Et ça se voit dans la tzlacha. Quand vous faites les choses, lui, il est avec vous. Mais soyez vrai. Si vous n'êtes pas vrai, lui, il va vous dire, il vous parle comme ça, mais quand la porte se ferme et qu'il n'y a plus personne entre vous, c'est, oh, purée, lui, purée, plus basket comme moi, meilleure voiture comme moi. Oh, ça me fait des canons. Ça y est, tu pars. Tu es tout seul là. Tu n'es pas tout seul. Comme dit, je suis un passager clandestin. Je suis comme les Noirs d'Afrique. Je rentre dans les bateaux comme ça. Après, tu crois que tu vas là. Lui, tu es dans les valises. Non, mais moi, je lui parle à lui. Je sais que je lui parle à lui. Tu sais comment je fais moi ? Comment j'ai fait moi ? Je lui ai demandé de l'aide. Ah ouais ? Carrément. Mais comment tu as fait ? Pour être aussi comme ça avec Dieu. À qui est-ce que ça ? À lui ! À Dabélia ! Bien sûr ! Comment t'as fait ? Parce qu'il n'a pas un comme lui. Tellement il est l'ange de la mort. Et tout homme qui naît, il sait que je dois mourir un jour. Il n'y a pas un qui lui échappe. Comment t'as fait ? Pour qu'on te fasse autant confiance. Il a un libre arbitre, non? Il est naturellement. Après, à un niveau tellement parfait que Dieu lui fait une confiance de folie. Il demande si quelqu'un lui donne l'autorisation. Il dit, le temps il est venu. Dieu, il le laisse. Comment t'as fait pour être aussi vrai? Parce qu'il est tellement vrai que tu crois ce qu'il dit, c'est un mensonge. Mais c'est le vérité que tu n'as pas compris. Il t'a répondu ? Tu as dit quoi ? Je pense qu'il y a une réponse pour chacun. Bah, c'est... Chacun, on a, comme on dit, chacun, on a un Yetzirah. Moi, mon Yetzirah, il est un mélange de Congo, de France, de blague comme ça un peu, tu vois, de banlieue. Voilà, c'est pas ça, c'est dans le cadre de banlieue. C'est ça. Et soyez, parlez avec lui. C'est quand tu parles avant de dormir ? Quand tu parles tout le temps ? Là, c'est quand tu es seul et tu parles. Et là, tu peux lui parler. Et n'oublie pas, il est à l'intérieur de toi. Quand il commence à voir que tu es vrai, il voit que tu es vrai. Mais ce n'est pas faux. C'est jamais eu sans faute, les gens ont voulu le dire. Tu dis, tu as eu raison de me faire poser parce que j'avais ce truc-là en moi. Et tu m'as poussé à tomber dedans. Mais Khila, je vais faire tu vois déjà. Attends, je vais faire tu vois. Viens, on discute maintenant. C'est ça que la Torah de dit un grand saut d'Agmara. Shlomo, il a fait Ravota 7 ans avec le prince des loups, qui était le Satan. Les gens ne sont pas choqués. Ils sont choqués mais par l'expérience. Moi, je suis choqué par le truc.
C'est-à-dire que tu fais chavouta avec lui, et à la fin, il lui fait un truc qui lui montre qu'il est plus intelligent que lui, que Shlomo. Parce qu'à la fin, il lui prend sa place. 7 ans. Je pense que c'est possible déjà que Shlomo, il lui fasse un poil. Non, que l'ange. Non, je l'ai fait un poil envers. C'est pas qu'il avait envoyé, je ne sais pas combien, avec ses aides. Ouais, parce qu'il a trouvé qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Tac. Il a surpris, dit, t'as vu, là, il y a un truc qui n'est pas vrai dans lui. Et il a pris sa place. Après, il était pauvre, il dit, ouais, c'est vrai. Regardez l'histoire. Il a fait 7 ans de Chazuta avec Rachma. Je ne dis pas seulement ça, c'est la nuit. Je n'ai pas fini le nom. 7 ans. Le prince de tous les démons. De S lui-même. Ouais, je te connais. Quoi, Shlomo? Regarde, regarde ce qui est choquant. Shlomo, la Torah dit que il n'y a pas un autre plus racham que toi. Tu as besoin d'une chavruta? Toi, Dieu t'a donné quelque chose, donc toi, tu as dit chavruta tout le temps. On dit Shlomo, je te dis, couleur jaune, il te donne mille façons d'expliquer la couleur jaune. Tu as besoin d'une chavruta? Ben oui, parce qu'il est plus fort que moi. Alors, c'est pas une fois qu'on rentre du monde, c'est le démon. Non, mais c'est pas des anges. C'est pour ça, quand tu mets le Daxipa là-bas, t'as la Torah du sol. Oui, bien sûr. Oh, ramène-la. Amen, amen. Amen, amen.